Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bienvenue dans votre émission Une femme à la maison avec la vôtre maman Eliane Nitou, votre deuxième maman. Aujourd'hui, je suis dans ma cuisine, je vais faire à manger. Aujourd'hui, je vais préparer la morue et les épinards. Ça, c'est les épinards en branche. En anglais, on appelle ça les spinach. Hein, les spinach. Je fais les spinach, donc les épinards en branche. Avec la morue et de la crème fraîche. Non, c'est pas la crème fraîche, pardon. C'est de la crème, c'est du béchamel, hein. La crème hollandaise. Ok. Les épinards, c'est comme ça. J'ai acheté ça comme ça, c'est vraiment congelé. Et qu'est-ce que je fais pour décongeler mes épinards? J'ai chauffé un tout petit peu dans les micro-ondes. C'est ça, voilà. J'ai chauffé ça dans les micro-ondes. J'ai déjà mis l'huile au feu. Ma poêle elle est déjà bien chauffée. J'ai coupé des oignons et une tomate. Voilà, je vais mettre mes oignons dans l'huile, comme ça. Voilà, comme ça. Mes oignons. La morue, c'est déjà bon, c'est déjà prêt. C'était très bien dessalé. Après, je l'ai grillé. C'est déjà prêt, voilà. Ma tomate, elle est là. Je mettrai un peu de bouillon, le bouillon de poule. Donc, je vais vous montrer des oignons, une tomate. Je mettrai aussi un peu de l'ail en poudre comme ça. Voilà. Passons maintenant à l'acte directement. J'avais baissé le feu parce que ma poêle était trop chauffée. Je remonte un peu jusqu'à 9. Voilà, comme ça. Si vous voulez faire les épinards, quand c'est congelé comme ça, ne vous dérangez pas. Vous prenez un peu la quantité que vous voulez utiliser. Vous mettez ça dans le micro-ondes, vous les chauffez, après vous préparez ça. Et voilà, maintenant je vais mettre mes épinards dans la casserole. Voilà. C'est bon, j'ai mis mes épinards, je vais attendre quelques 2 minutes. Pour rajouter les épices. Je ne ferme pas ma casserole, je laisse ça comme ça. Voilà, je laisse un peu, quelques 2 minutes avant de rajouter la tomate. Avant de mettre la tomate, je laisse un peu 2 minutes. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma vidéo, n'hésitez pas d'aller vous abonner sur Eliane Nitou TV. Abonnez-vous sur Eliane Nitou TV et surtout la cloche de notification. Il faut l'activer pour que vous puissiez encore recevoir de nouvelles vidéos. Donc, je suis votre traiteur, la Providence, votre traiteur africain, maman Eliane Nitou. Votre deuxième maman, la reine mère. Voilà. On va remuer un peu les épinards comme ça. On va attendre encore au moins 1 minute avant de mettre la tomate. Maintenant, je vais rajouter les tomates pelées, hein, comme ça. Je laisse cuire au moins pendant 3 minutes. Je laisse cuire au moins pendant 3 minutes. Hein. Et voilà, je vais remuer un tout petit peu comme ça. Maintenant, je vais mettre un peu de l'ail. Hein.
c'est de l'ail en poudre. Un peu de l'ail comme ça, c'est bon. Un tout petit peu de l'ail, pas beaucoup. Si vous aimez beaucoup d'ail, vous mettez. Si vous n'aimez pas beaucoup, vous mettez un peu comme moi. Comme ça. Vous pouvez mettre les tomates pelées si vous voulez, hein. Mais moi, je mets de la tomate fraîche. Les épinards, c'est quelque chose qui cuit vite. Ça ne reste pas très longtemps au feu. Ça cuit vraiment vite. Hein. Les épinards en branche, là, ça cuit vraiment vite. Là, j'ai déjà la morue. La morue, elle est déjà bien dessalée. Je l'ai déjà grillée. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Pour rajouter un peu de bouillon comme ça dans vos repas, et surtout que la morue est déjà salée, il faut bien dessaler votre morue. Comme moi, la morue, elle est vraiment dessalée. Elle est devenue comme du poisson fraîche. Voilà, j'ai bien dessalé ma morue. Voilà pourquoi je mets un peu de bouillon pour avoir encore un peu de goût. Ça. Si vous ne dessalez pas bien la morue, n'y rajoutez pas. Ne mettez pas du sel, même pas les bouillons. Faut pas rajouter, faut rien rajouter. Rassurez-vous que vous avez vraiment bien dessalé votre morue. Voilà. Maintenant, je vais mettre un peu d'eau. Je mets un peu d'eau. Voilà, comme ça. Pas beaucoup d'eau, hein. Un peu. Ensuite, c'est de la morue que je vais mettre dans mes épinards. Je vais commencer à mettre la morue. Voilà. Je mets la morue dans mes épinards. Et voilà, c'est bien mélangé, la morue avec les épinards, bien mélangé. J'ai mis de l'eau chaude, hein. Moi je mets toujours de l'eau chaude dans les aliments quand je fais à manger. Je vais couvrir pendant quelques 3 minutes, la morue elle est déjà prête, hein. Les épinards aussi pareil. Je vais laisser mélanger, je laisse ça se mélange très bien pendant au moins 3 minutes. Je couvre ça, comme ça, voilà. On attend un peu quelques minutes avant de rajouter notre sauce. La sauce sera à la fin. On va laisser d'abord la morue cuire avec les épinards ensemble. Donc notre dernière étape, ça sera la sauce qu'on va rajouter. Moi, je vais utiliser la sauce hollandaise. Ça, cette sauce-là, vous pouvez mettre la sauce que vous voulez. Vous pouvez mettre de la crème fraîche, comme vous voulez. La crème que vous voulez. Voilà, ça cuit bien. Je vais rajouter les piments. Vous savez, nous, Africains, nous aimons les piments. Hein. Mais les piments, je ne vais pas les écraser. Hein. Ça va rester comme ça. Les bouts de piments vont rester comme ça. Je ne vais pas écraser ça. Voilà, encore quelques minutes. Je n'ai pas utilisé la cuillère. Voilà pourquoi je vais secouer seulement comme ça, ma casserole avec la main. Et voilà. Les épinards ne restent pas très longtemps au feu. Hein. C'est les épinards en branche, hein. Ça ne reste pas, donc c'est du vite fait quoi, je peux dire ça comme ça. C'est du vite fait, ça ne reste pas très longtemps en feu. Je couvre encore pendant 1 ou 2 minutes avant d'y rajouter notre crème. Voilà, là c'est bon comme ça. Maintenant je vais rajouter ma crème. Vous pouvez rajouter de la crème fraîche. Moi, c'est de la crème hollandaise que je vais rajouter dans mes épinards et la morue. Voilà, c'est ça. Je mets tous les paquets parce que j'ai vraiment besoin d'avoir le goût de ma crème. Hein? Waouh, c'est trop bon.
On va encore laisser quelques minutes. Hein. Je laisse ça quelques minutes. On va laisser la crème se mélanger avec la morue, les épinards, moins pendant 2 minutes. Et voilà. Comme j'avais dit tout à l'heure, les piments, je ne vais pas les écraser. Les piments restent comme ça. Voilà. Il faut vraiment mettre la crème à la fin pour que ça ne colle pas dans votre casserole. Ça peut aussi cramer. Il faut aussi avoir de belles casseroles aussi pour faire ce genre de recettes. Il ne faut pas que ça colle. Voilà. Ça se passe bien comme ça. On va attendre quelques 2 minutes. Après, je vais présenter ça dans mon assiette. Voilà, bande konanga au botala kama mama ili anitu na kanisi bo moni ne na sengi mwa ilubu nanga ililo recette nanga ililo na sali kaka makayabu na biso kusengi se ngona epinard en branche na epinard en branche na tchete matungulu mibale na tomati moko na aya na crème oyo. Voilà. Voilà, voilà, c'est ça la finition de notre recette d'aujourd'hui. Regardez, pas mettre bon, ne mettez pas beaucoup d'huile, hein. Pas beaucoup d'huile. Regardez, voilà, c'est très très bon. Je n'ai pas écrasé les piments, donc c'est la morue aux épinards et à la crème béchamel, la crème de beurre. Quand vous achetez votre crème, faut bien regarder, c'est la crème au beurre. Voilà. Merci beaucoup pour vous tous qui disposez de votre temps pour regarder mes recettes. Si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, je vous demande d'aller vous abonner sur Elia Nenito TV. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour être notifié à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Yango yo bande konanga bomoni bloko nanga na sali yango yo. Epinard na biso yango ningi bomoni yango, pilipili na biso na panzi yango te. Ne bozo mon eza makayabu na epinard et puis na crème simple et facile à faire. Beaucoup collé à mon assemoul, beaucoup collé à mon amaké, mana kwanga, comme vous voulez. Merci beaucoup. C'est un bali bosso talingaï qui n'a nous abonné. N'a pas aussi un an qui s'abonne à Elia Nenito TV. Ce qu'on s'abonne, qu'on bosse, on peut activer cloche et notification pour vous aller à notifier ceux qui émission SK. Écoutez, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Ma foute à mouki, ma foute à vraiment mingité mouki penza. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. God bless you, Mungu. Bari kita tanzam kalusa kumuna. Nzamba nubia chanel banabetu. Bons. Bye bye.